Les amis, bonjour, c'est Colette. Je vais attendre qu'il y ait quelqu'un, il fait très tard. Hein. Alors, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Il fait presque 2 heures du matin. Je suis sortie en fait. Alors, je ne vais pas rester longtemps, les amis, c'était pour vous parler des quarts de finale. Les deux derniers matchs du championnat d'Afrique des nations. Donc vous l'avez vu, hein, il y a eu donc deux matchs. Le premier match, c'était Madagascar et Mozambique. Madagascar qui bat le Mozambique sur un score de 3-1. Donc le Madagascar est qualifié pour les demi-finales. Ensuite, voilà. Le deuxième match, le deuxième quart de finale, on a le Niger contre le Ghana. Donc le Niger, bien sûr, qui s'impose donc face voilà, qui s'impose face au Ghana sur un score donc de 2 à 0. Voilà. Ce qui veut dire donc que le Niger ainsi que Madagascar sont qualifiés. Ah, merci beaucoup pour les likes. Là, il fait tard, j'étais sortie. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps. J'avais promis de faire un live, mais là, c'était un peu compliqué. Et puis demain, vous savez, c'est dimanche, on passe à autre chose, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais vous faire juste un petit coucou et tout ça. Alors, ce qui veut dire que ce qu'on a comme programme. On a en demi-finale l'Algérie contre le Niger. Voilà, le mardi 31 à 17h. La deuxième demi-finale, mardi 31 à 20h, Sénégal-Madagascar. Donc voilà. Deux pays, chers à notre cœur. Voilà, le Sénégal. Parce que je suis née au Sénégal et Madagascar parce que j'ai plein d'amis de Madagascar. Voilà. Voilà, donc voilà. L'affiche. Madagascar qui s'est imposé face au Mozambique. Excusez-moi les amis. Voilà, sur un score donc de 3 à 1. Et vous avez donc le Niger qui s'impose face donc au Ghana sur un score donc de 2 à 0. Voilà. Salut Diallo, bonjour. Voilà. Pour ceux qui aiment le football, voilà quoi. Je suis arrivée tard, mais sinon j'allais faire le direct.
Je me suis dit, je vais quand même faire le live et puis bon, peut-être 5 minutes, pas plus. On va aller dormir là. Il fait presque 2 heures du matin à Paris. Donc voilà. Donc les affiches. Algérie, Niger et Madagascar, Sénégal. Donc demi-finale, mardi 31. Excusez-moi. Voilà. On souhaite bien entendu bonne chance, si vous voulez, donc à toutes les équipes qui participent donc pour ces demi-finales. Je rappelle que c'est la chaîne, le championnat d'Afrique des Nations, uniquement réservé donc aux joueurs africains qui jouent donc uniquement sur le continent. Voilà. Donc comparé à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où vous avez donc des joueurs qui évoluent à l'étranger. Ici, c'est uniquement sur le continent africain et c'est très bien. Ils en sont à leur 7e édition et ça se passe donc en Algérie en ce moment jusqu'au 4 février. Voilà. Donc c'est une bonne initiative pour faire connaître donc les talents africains sur le continent. Voilà. Une excellente chose. Je vais voir si je peux partager. Moment, mais vous pouvez partager. Les affiches, comme on l'a dit, Niger-Algérie, l'Algérie, pays hôte, hein, n'est-ce pas? Voilà, ainsi que Sénégal, Madagascar, excusez-moi, je suis fatiguée pour l'autre demi-finale. Voilà, mardi 31. Donc voilà les amis, je tenais à faire ce live parce que bon, je vous l'avais promis, il fait tard. Et donc voilà. Vous pouvez liker, partager. Et je vous dis donc à demain pour d'autres vidéos.
Voilà. Donc, je vous dis donc à très très bientôt, les amis. Donc, demi-finale, donc les deux demi-finales du championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Algérie, donc Niger, mardi 31 à 17h. Et Sénégal-Madagascar, donc toujours le 31 à 20h. Bonne chance à toute l'équipe. Et puis, comme on dit, voilà, vive le continent africain, vive la jeunesse, vive le sport, vive le foot. À très bientôt. Likez, partagez. Merci beaucoup. Abonnez-vous donc à tous mes réseaux. Voilà, soutenez-moi. Voilà, dans mon travail de créatrice, donc de contenu. Merci. Au revoir. À très bientôt.